Bon, alors bonjour à tous. Ce petit tirage, c'est spécial pour les flammes jumelles pour le mois de juin de cette année 2019. Donc, il y a la carte de l'illumination. Ça démontre que il y a des personnes qui sont qui ont bien travaillé sur elles-mêmes et donc qui ont fait qui sont arrivées à un stade de qui sont bien dans la lumière. À côté, vous avez la carte de la solitude. Pour certains, attention, ça c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Et donc, la solitude pour certains, ils savent pas, ils sont isolés, ils sont complètement un petit peu égarés, on va dire. Ils se sentent seuls, voilà. À côté, vous avez la carte du rêve. Le rêve, c'est le rêve de l'âme. Ça n'a rien à voir avec le rêve. Ça n'a rien à voir avec le rêve qui représente nos rêves, mais non. Le rêve, c'est de les âmes jumelles. Ils ont des rêves particuliers, quoi. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils ont tendance à se retrouver ensemble. Ensuite, à côté, vous avez la carte de la synchronicité. Les synchronicités, c'est quand il y a des signes. Il y a beaucoup de signes qui démontrent que justement, vous êtes bien en contact avec votre âme, jumelle. En dessous de l'illumination, vous avez la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est c'est une transformation. C'est une transformation radicale hein, qui vous concerne parce que il est vrai que l'amour dans ce monde et puis l'amour des âmes jumelles sont différents. C'est l'opposé. Et donc, il y a une transformation radicale, c'est-à-dire un passage de la vie terrestre aux âmes divines, quoi. À côté, vous avez la carte de l'ouverture. L'ouverture, c'est par rapport à la solitude. C'est en dessous de la solitude. Donc, vous avez une certaine ouverture avec le soleil. Ça démontre qu'il y a une bonne ouverture avec votre moitié d'âme. Ensuite, juste à côté, vous avez par contre la carte de la fatalité. La fatalité, ça peut être des petits incidents ou bien des petites contrariétés ou des choses comme ça qui arrivent entre âmes jumelles qui font que voilà, ça crée de l'instabilité. Il y a des petits problèmes qui peuvent surgir et qui créent une certaine instabilité. Instabilité, on se pose des questions, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, donc voilà, par rapport à l'autre âme jumelle. En dessous donc, de l'instabilité, vous avez la foi, donc la carte c'est vous croyez, si vous croyez c'est la foi, si vous avez la foi, ayez la foi, et ça vous dit que si vous avez la foi, ça s'arrangera. À côté de là, si vous croyez, vous avez la carte de la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer en dessous de la fatalité. Donc ça va s'améliorer. Il y a le rêve, il y a la fatalité, mais il y a la situation qui va s'améliorer, on vous dit. Ça peut être de différentes façons que ça va s'améliorer. En fait, il ne faut pas perdre espoir, comme on dit. Juste en dessous, il y a demande à côté, je veux dire. Demandez à vos anges. Demandez à vos anges leur aide parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu surpassé par les événements ou vous êtes un petit peu dans le brouillard. Donc demandez l'aide de vos anges. Là, il y a une résolution pacifique par rapport aux transformations qu'il y a. Il y a cette résolution pacifique qui fait que vous allez trouver un moyen de vous arranger. Et ce moyen, justement, cette résolution pacifique, le fait que de dialoguer, de trouver des compromis et tout ça, va justement inciter à un voyage. Il y a une personne, que ce soit monsieur ou madame, il va avoir envie de faire ce voyage, un voyage. Par contre, là, il y a la carte de la poursuite.
Ah oui, j'ai oublié. Oui, enfin, on va faire ça, puis après, on passera à côté. Là, il y a la carte de la poursuite. Donc, la poursuite, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux âmes, qui poursuit l'autre. Qui n'a pas la patience d'attendre, et donc, et qui poursuit. Et là, cette carte, elle vous dit, attendez-vous à un signe. Un signe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des synchronicités, n'importe quoi, des signes que vous voyez tout autour de vous. Là, donc, demandez à vos anges, et le résultat, c'est que vous avez le jardin. Le jardin, c'est quelque chose d'un endroit magnifique, donc ce sont des choses vraiment très agréables. À côté de la carte du jardin, vous avez la boussole en dessous. De la situation va s'améliorer, oui, mais ça reste, ça va s'améliorer, oui, mais il y aura toujours cette recherche, recherche, c'est pour ça qu'il y a la boussole. La boussole représente quelqu'un qui est un petit peu égaré et qui recherche vraiment voilà, à comprendre. Et ensuite, à côté de la foi, il y a l'enfant, l'enfant qui représente quelqu'un, un enfant, soit un enfant qui est un de. Monsieur ou madame qui a un enfant, soit c'est un enfant qui représente comment dire, l'innocence, qui représente, enfin, bien, bien des choses, je veux dire par là, l'innocence, la pureté, enfin, des choses comme ça. Par contre, là, il y a la carte des récurrences, ce n'est pas formidable, mais simplement, il y a un obstacle, il y a encore un obstacle. Il y a des obstacles. De toute manière, comme je l'avais dit déjà dit dans notre vidéo d'avant, tant qu'il y a des obstacles, de toute manière, ça veut dire qu'il y a des fautes à corriger, des choses à corriger. On a un ego, nous agissons avec notre corps mental, ce qui fait que notre ego, notre corps mental peut faire obstacle. Et un obstacle, là, les récurrences, c'est comme quelqu'un qui veut prendre la route et qui ne s'est pas préparé avant de partir. Donc, ça crée, comment dire, des soucis, quoi. On peut oublier des choses et du coup, voilà. Mais là, il y a des relations, voilà, des relations profitables. Ça veut dire que vous avez vraiment. Les relations profitables, c'est une bonne carte, c'est que vous avez des personnes, vraiment des personnes avec qui c'est la personne avec qui vous voulez vraiment être, avec qui vous sentez bien, avec qui vous allez avoir des relations vraiment, vraiment magnifiques, quoi. Là, par contre, en dessous de la boussole, il y a la carte des blessures. Les blessures, ce qui veut dire que ben, il y a encore bien des blessures, hein. Et c'est pour ça qu'il y a la fatalité, c'est pour ça qu'il y a la boussole, parce qu'il y a encore bien des blessures qu'il faut purifier, corriger. Il y a des choses, beaucoup de choses encore à corriger par rapport au passé, par rapport au vécu que vous avez eu, autant pour le monsieur que pour la dame. Là, par contre, cette carte, elle va vous dire après, une fois que vous aurez purifié, ce sera vraiment le moment idéal pour retrouver votre moitié. Là, il y a les signes, encore les signes, observez bien les signes. Et cette carte vous indique que dans un avenir rapproché, que vous allez retrouver votre moitié. Pour certains. Et donc là, attendez-vous à un signe encore. Donc là, si on fait un petit peu le compte, là c'est l'illumination avec l'hérédité, la résolution pacifique, le bateau, la poursuite, et attendez-vous un signe, vous avez atteint une certaine illumination qui fait que, qui vous apporte une grande transformation, qui va vous faire prendre. Une résolution où vous allez trouver des compromis avec votre moitié pour faire un voyage, que ce soit lui ou elle. Là, il y a donc la poursuite et attendez-vous à un signe de l'univers. Voilà. Ensuite, vous à côté, vous avez la carte de la solitude que vous apporte une ouverture en dessous.
Vous avez la solitude, mais en même temps, vous avez l'ouverture. Donc, il y en a un des deux qui va créer cette ouverture. Il y a une des deux personnes qui créera cette ouverture. En dessous, donc, demandez à vos anges, parce qu'il y en a un des deux toujours qui est un petit peu dans... Il y a toujours un des deux qui est dans une position plutôt instable. Donc, il y a besoin d'être rassuré, besoin d'être... Voilà, des choses comme ça. D'être rassuré, d'être écouté par des personnes éventuellement. Ensuite, donc, il y a le jardin, il y a les signes. Et il y a dans un avenir proche, donc il y a quelque chose de très positif qui va arriver pour vous. Avec les signes, observez les signes et quelque chose de rapide va arriver. Vous allez sûrement, soit vous allez être en contact avec la personne avec qui vous n'étiez plus depuis un certain temps, soit vous allez pouvoir vous voir. Enfin, il y a quelque chose de plutôt positif. Là par contre, bon, comme je dis, hein, ça c'est un tirage. Qui englobe tout le monde, donc ce soit les hommes comme les femmes, tous ceux qui sont en flamme jumelle, en âme jumelle. Donc via le rêve, la fatalité, la situation va s'améliorer, la boussole, les blessures et le moment idéal. Donc il y a un travail à faire, et Il y a le rêve de l'âme, il y a le rêve de l'âme qui ne souhaite qu'une chose, c'est retrouver sa moitié. Il y a la fatalité, qui n'est pas dramatique au sens où on pourrait l'imaginer, mais la fatalité peut être une séparation temporaire, ça peut être quelque chose comme ça, une broutille, et du coup l'autre il vous bloque. Mais de toute manière, ça va s'améliorer, la situation va s'améliorer. Mais ça reste quelqu'un, il y a quand même un des deux qui reste fragile, parce qu'il y a cette boussole, la boussole qui vous dit, attention, vous êtes un petit, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et vous ne savez pas quel chemin prendre éventuellement, à cause des blessures, les blessures qui représentent voilà, les blessures du passé, de trahison, de mensonge, de n'importe quoi. Mais il faut faire un travail sur ces blessures. Une fois qu'il y aura ce travail qui sera fait sur les blessures, eh bien, cette carte vous dit que voilà, ce sera le moment idéal après. Il faut faire ce travail sur les blessures. Donc ensuite, il y a les synchronicités, l'instabilité, si vous croyez, l'enfant, les récurrences, et les relations profitables, les synchronicités, mais qui créent quelque part un petit peu d'instabilité. Parce que peut-être qu'il y a des doutes ou des choses comme ça qui font que ça crée de l'instabilité. La carte, si vous croyez, représente donc la foi. La foi, il faut devenir quelque part comme un enfant. Vous devez redevenir un type comme un enfant, être plus croyant. Croyant, je veux dire avoir la foi. Avoir davantage la foi. De redevenir, de retrouver votre pureté, votre innocence, comme un enfant. Donc là, c'est les récurrences qui vous dit faut bien préparer tout ce qu'il y a à préparer. Faire un travail, voilà, toujours, de toute façon... Les âmes jumelles, c'est un gros travail sur soi, hein. Donc de toute façon, on peut pas arriver à une fusion des deux âmes tant qu'il n'y a pas de travail de fait. Ensuite, donc vous en arrivez donc à une bonne relation justement. Les relations profitables qui représentent donc des âmes jumelles qui se retrouvent quoi. Là vous avez donc le droit de l'émotion. Cette carte représente le droit de l'émotion. Alors qui dit le droit de l'émotion est l'aide de la prospérité. Le droit de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite, un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse.
Bon, vous voyez, c'est voilà, pour certains, il y aura ça. Et pour d'autres, l'aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, ou peut-être, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et une infinie patience. Donc voilà, l'aide à la prospérité, c'est-à-dire que ça peut représenter donc la prospérité dans votre relation. Hein. Et tout comme le 3 de l'émotion, hein, c'est beaucoup d'émotions dans les âmes jumelles et beaucoup de prospérité dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Puisque les âmes jumelles sont des âmes avec qui on a des relations sur tous les plans. À 100%. 100% une fusion totale et totale des âmes. Voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. J'en ferai d'autres prochainement avec le prénom, la première lettre du prénom. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Ben, je vous remercie. Au revoir.